j'étais surtout peintre et illustrateur. Mais il y avait un courant de bande dessinée réaliste, plutôt illustratif, en couleur directe. Et je pouvais très bien m'intégrer dans cette mouvance-là de la bande dessinée. La peinture, on raconte tout en une image. Parce que ma peinture reste assez narrative. Je sais que par rapport à l'art contemporain, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Je suis revenu pour me marier. Parce que j'avais rencontré ma femme. Donc pour elle, il était hors de question de vivre à Paris. Et donc naturellement, nous nous sommes installés ici. On a ouvert un cours de peinture à Bastia. Moi, j'ai été intégré dans l'équipe enseignante de l'Université de Corse par José Tomasi et Georges Chambach. Et parallèlement, je faisais des tableaux parce que j'avais des commandes et je faisais aussi de la bande dessinée. Ça a été mes périodes les plus intenses au niveau du travail de la bande dessinée. On préparait avec mon éditeur le centenaire Jules Verne et on voulait un coffret de 3 albums prêts pour l'exposition du musée de la marine Jules Verne et la mer. Serge Miguel est originaire d'Herbalongue. Il est à la fois peintre, illustrateur et dessinateur de bandes dessinées. Si l'artiste s'est nourri et inspiré de la peinture américaine, ses références ayant pour nom Rockwell et Hopper, c'est à la représentation de la propagande soviétique qu'il a consacré son dernier travail. J'ai voulu explorer une veine graphique déjà, beaucoup travailler sur la nuit et sur la couleur. Souvent, c'est le même modèle que je refais encore pour essayer justement aussi d'avoir des séries intéressantes à voir et pas juste une telle image, plus telle autre image, regarder ce joli paysage, puis ce joli paysage, etc., etc. Donc là, pareil, c'était une tentative d'avoir un projet global avec, en travaillant plus ou moins sur une seule maison à Bastia, qui est la plus vieille maison bastiaise et qui est rue Sant'Angelo. Serge Miguel y a grandi à Bastia. Au lycée, son professeur en art plastique, José Tomasi, l'encourage à poursuivre ses études à Paris, à l'école supérieure d'art graphique Penningen. Il en sortira 5 ans plus tard, deuxième de sa promo. Ses études terminées, il expose dans une galerie parisienne qui reçoit les grands noms de la BD du moment. Et c'est tout naturellement qu'il viendra lui aussi à la bande dessinée, aux côtés d'artistes comme Tardi, Druyer ou Moebius. De retour en Corse, il ouvre un cours de peinture à Bastia et enseigne à l'Université de Corse pour un temps. Son dernier travail sur la propagande soviétique est une réflexion sur la démarche des artistes, peintres, sculpteurs, affichistes qui ont mis leur talent au service d'une cause, engagée ou contrainte, un travail qui interroge sur la fonction de l'art et sur la puissance de la propagande, passée ou actuelle. La Russie, c'est très particulier. J'ai toujours eu envie d'aller, parce que mon premier album se passait à Riga, pendant l'Empire des Tsars. C'était une adaptation de Jules Verne. Déjà pour mon premier travail, donc c'était un choix d'éditeur, mais j'avais le choix entre plusieurs textes. Et en fait, même sans les lire, j'ai dit bon, je prends la Russie, parce que je le sentais bien graphiquement. Et puis j'ai toujours aimé ça. Ça m'a permis de dessiner des ambiances slaves, des uniformes russes, comme chez Hugo Pratt. Ouais, je me suis beaucoup amusé, quoi. Et en fait, cet album, 15 ans après, m'a expédié à Moscou. Et j'ai aimé au-delà de toutes mes espérances. En plus, j'avais toujours gardé dans la tête une petite idée d'étudiant qui était de peindre les grandes statues soviétiques, en fait. J'aimais bien ces objets, j'aimais bien ces monuments. Et une fois que j'ai été là-bas et que je les ai vus en vrai,
Je me suis dit, bon, allez, vas-y, fais-les, qu'on n'en parle plus de cette histoire. Et c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans. L'artiste, il doit... C'est déjà l'expression de sa personnalité, de son identité, ce qu'il projette sur l'image. Et une fois que c'est en place, il faut savoir l'assumer aussi. Thank you.